嗨，大家好，我是 Celia， 欢迎回到我的频道。你听过自然酒吗？你喝过自然酒吗？那你知道自然酒是什么吗？大家可以看到我后面的景色，没有错，就是葡萄园。我现在人在阿尔萨斯，阿尔萨斯在法国的东北方，是一个很棒的葡萄酒产区。我来这地方拜访酒农，然后拍影片跟大家分享。那之后呢，很快就会阿尔萨斯葡萄酒跟大家一起喝。那其实我已经有一阵子没有拍片，但我发现就是我影片更新的速度有一点点慢。阵子呢，我在台湾的时候办了非常多的餐酒会，然后我的公司就是瓶中信开始有一些不同的活动，然后我们也架设了新的官方网站，那网站上有非常多有机自然的小农葡萄酒，所以我想跟大家分享一下为什么我会想要做更多的关于自然酒这块，还有我为什么会喜欢自然酒的原因。我相信一定很多人听过有机生物动力法，然后自然酒嘛，对不对？有机跟生物动力法比较着重在葡萄的种植，也就是说在种植过程里面，我们不添加人工除草剂，不添加人工化肥，然后尽可能保持这个生物多样性。那自然酒呢，就是更着重在酿造的过程里面，尽可能的去减少人工干预的部分。所以待会影片里面也会穿插一些不同的酒农他们对于自然酒的一些想法。接下来呢，我跟大家分享我喜欢自然酒的四个原因。那第一个原因呢，就是因为自然酒它的葡萄在种植的过程是不会加任何人工除草剂跟化肥，台湾是越来越盛行。比如说我今天跟大家分享的无毒草莓啊、无毒百香果都是一样的概念，就是说我们在种的过程呢是不添加任何的农药。那大家都知道农药加多了不止对自然环境不好，对人的身体也不好嘛，所以自然酒呢是完全不会使用添加农药的葡萄去酿造的。Le vin naturel, c'est le vin de toujours, c'est la normalité, enfin ça devrait être la normalité, par rapport aux vins qui sont très technologiques. Et pour faire un parallèle avec l'agriculture chimique, c'est que le vin, on ne vous en parle jamais non plus. Il y a presque 200 intrants qu'on peut intégrer dans le vin chimique, et on ne vous en parle pas, on ne vous en parle jamais. 那第二个我喜欢自然酒的原因，就是自然酒在酿造过程它是不添加人工酵母的。什么是风土？风土很直接，就是农作物它生长的环境。那什么是可以反映当地风土的农作物呢？就是它在种植、生长或者是你在制作的过程里面，没有过多人工干预，尽可能使用当地原本的材料。比如说你在喝茶的时候，你一喝就知道哇，这个是鹿野的红乌龙，然后比如说你一喝这个就知道说哇，我的盲品就知道它是阿尔萨斯的 Riesling。 所以我们在品尝的时候，我们就会有旅行当地的感受，我们就会说餐桌上的旅行，对吧？所以自然酒它不会添加人工酵母，完全使用当地的野生酵母自然发酵，更可以展现当地的风土。 Aujourd'hui si tu veux faire des vinifications qui sont abouties sur un vin qui représente vraiment son terroir, il ne faut pas agirTu dois surveiller, mais pas agir. Si tu agis, c'est-à-dire que tu fais quelque chose à ton image. Si tu surveilles et que tu accompagnes, tu montres vraiment le vin comme il est par rapport à son terroir et son millésime. Et c'est le plus difficile, parce que l'homme, il a du mal à pas, enfin, ou la femme, peu importe, mais de pas agir, tu vois. Et au contraire, il faut prendre le temps et laisser faire. Mais tu dois être là s'il y a un problème pour pouvoir réagir à bon escient et surtout au bon moment.C'est ça le plus difficile aujourd'hui. 第三个我喜欢自然酒的原因，就是自然酒它的酿造过程是极少量，甚至是不添加二氧化硫。二氧化硫是一个存在大自然的一个物质，那葡萄它在发酵的过程也会自然产生二氧化硫。适当的二氧化硫可以保护葡萄酒避免变质。但是我个人的身体状况呢，我在喝到添加太多的二氧化硫的葡萄酒的时候，容易有头晕。Enfin, en tout cas, dans ma perception, dans ma façon de faire le vin, pour moi, c'est 0-0. Je l'explique très facilement. Pour moi, le 0-0 en sulfite, il est facile parce que les vins ne sont pas filtrés. Dès qu'on a des notions de parallèle entre l'épiderme de notre peau et le vin, si vous lavez tout le temps votre peau avec du savon, au bout d'un moment, votre peau elle sera irritée. Vous serez obligé de mettre une crème pour la protéger.Le vin, à partir du moment où on va vouloir le nettoyer, enlever tout ce qui permet
sa conservation au naturel jusqu'au degré première filtration, on sera obligé de mettre un gramme à la mise. 第四个我喜欢自然酒的原因，就是因为我觉得自然酒是一个我喝了可以打从心里觉得很开心的葡萄酒类型。其实我身边有很多朋友一开始跟我说他不喜欢自然酒，因为可能一开始喝的经验没有很好，或者是喝到觉得不是他们想象中那样子葡萄酒类型的风味。And why you fell in love with nature wine? Because it's so simple, so easy to drink. You don't have headaches at the morning after you drink natural wine, and it's good, really good. Now the sulfites are.Ça me donne mal à la tête. Même moi aussi. Juste un verre, ça me dérange. And the natural world, you don't find so much information about it because it's little, but it's gonna grow. And everyone is interested now in natural wine. It's the future of the wine, I think, because it's like more sustainable. What you have in a glass is the accumulation of all you gave all the year in the vineyard.Each operation you do, you have to reflect, is that good for it or not? Is that every operation? But if you bring music when you press the grapes with your feet, it's another signal to something happy. And you will find it in the wine.所以自然酒对我来说呢，它比较像是酒农在酿造时的理念。我希望可以做一个对环境友善的，能够呈现当地风土的葡萄酒。自然酒里面有非常多不同类型风格的葡萄酒等着你去尝试。那我希望今天的影片你喜欢，然后解答到你对自然酒的一些问题。那底下也欢迎你跟我分享你喜欢什么样类型的自然酒，或者是你喝过什么样的自然酒，甚至是你喝过我推荐的自然酒你喜欢的话呢，也欢迎底下留言跟我分享。那大家如果想喝我推荐的葡萄酒的话呢，也欢迎点击底下的连结。我们叫瓶中信，为什么取名瓶中信呢？就是希望大家在喝到我挑选的葡萄酒的时候，每开一瓶就像是在开启一封来自产地的信，真正的喝到当地的风味，喝到当地的故事。好，那希望大家喜欢，我们下次见咯，拜拜。